Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo sur Danmachi Memoria Freeze. Et je vais baisser un peu par contre parce que bon, faut pas trop que ça nous arrache les oreilles. Et faudrait aussi que vous m'entendiez, sinon ça sert à rien. Du coup, je suis désolé d'ailleurs que ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu sur le jeu. Ça fait au moins deux semaines que j'ai pas fait de vidéo dessus. Je suis vraiment désolé. Mais j'avais pas envie en fait, tout simplement. J'avais pas trop envie d'en faire. Mais là j'ai envie du coup. Vu que j'ai commencé la saison 2, j'ai commencé à regarder les deux premiers épisodes là. Et je vais regarder la suite plus tard. Hein. Du coup on a eu assez d'iris pour se faire un gacha. Enfin une gacha, enfin bref vous m'avez compris. Alors ça c'est nouveau ça. Ça aussi. Oui, ok. Bon bah lequel on prend? On va prendre celui-là, tiens, allez. On va prendre celui-là. Alors. Ice Valenstein qu'on a déjà. Elle aussi, hein. Ah, on a un rare. Enfin, un super rare plutôt. On l'avait déjà. Belle crânelle, on l'a déjà. Un rare, enfin un super rare. Ok, bon, on l'avait déjà aussi. On l'avait aussi. Ça fait beaucoup de doubles, hein. Encore. Qui c'est? Ah, c'est lui. Ah, je l'avais pas lui, Miatch. Ah, lui, je l'avais. Ah, lui, je l'avais, hein. Ah, un ultra rare, enfin, c'est pas trop tôt. Oh, belle crânelle, ultra rare. Oh là 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 là, mais ça envoie du lourd. Ah bah oh, vous avez vu, c'est celui-là, c'est celui qui est sur l'image, le bel crânelle qu'on a vu. Génial. Ah ouais, c'est génial, la chance qu'on a eu, putain. Bah je vais le mettre direct dans mon équipe. Ah c'est là, je... Non, c'est sûr. On a la place de qui? Un perso qui fait pas beaucoup de dégâts. Peut-être Ice, je crois, elle faisait pas beaucoup de dégâts. Alors c'est lequel qu'on a eu? C'était celui-là. Ah ouais, oh là là, les amis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors... Putain, elle n'avait pas fini de parler, là. La dague de la DS. Combat 6.2. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah d'accord, c'est tout. T'en ai un peu plus, mais non, non, c'est tout. Alors voyons voir la force de notre belle. On va le faire en normal. Oui. Quoi, il one-shot même pas? Il one-shot même pas. Putain. Il est pas loin hein, de one-shot. Ah, encore. Ah, il one-shot même pas. Vous êtes sûr que c'est un ultra rare ce truc? Ou alors c'est les monstres qui sont beaucoup trop forts, mais ça m'étonnerait. Ah. Dégagez! Ça dégage. Attends, on va essayer du coup la technique spéciale. Cauchemar de feu. Ah oui, carrément. Ouais, mais vu que ça one-shot pas, c'est pas énorme. C'est dommage, mais bon. Tu me diras, c'est déjà ça, hein. Ah, ça y est. Bah, c'est vrai qu'il n'y en a que 3. Non, pas d'autres, par contre. Ah, d'accord. Il n'y a vraiment pas grand chose là. Il y a eu deux blabla, puis c'est tout. Combat 6.3. Sourire malicieux.
On va en faire 3 comme d'habitude, les amis. Hein. Enfin, d'habitude, des fois, on en fait un peu plus. Mais là, je pense qu'on va en faire 3. Ah, il fait moins de dégâts là, Belle. Hein. C'est dommage. Mais bon, c'est déjà ça, encore une fois, voilà. On va pas s'en plaindre. Allez, encore un. On va mettre les techniques spéciales pour tout le monde. Oh bah ouais, c'est pratique. C'est pratique. Et encore un. Attends, mais ça fait un duo de ouf là, Belle et puis merde l'autre là, le Choro, j'ai oublié son nom, enfin bref, vous voyez de qui je parle. Ça fait un duo de ouf, un duo de ouf. Le premier commence et le deuxième finit. Génial. Comment va ma déesse? Elle est vraiment très fatiguée et elle s'est endormie. T'inquiète, t'inquiète pas. Hey, hein, tout ça c'est de ta faute, c'est de ta faute. Bon bah non, si Belle le dit, c'est pas de ta faute. Voilà. Oula. D'accord. T'es à peu près. Je pense pas, c'est pas son genre. Enfin, je pense. Ça se trouve, elle se moque de tout le monde comme ça. Mais je pense pas. Allez hop, rang S. On a beaucoup de rang S quand même. Boss 6.4. Ah bah tiens, on va faire le boss. Hein. Allez, hein, c'est parti. On va faire le boss. Je me demande c'est qui, mais bon, on verra bien. Allez, Joe de ouf. Hop, c'est parti. Le premier commence et le deuxième finit. C'est génial. C'est génial. Mais comment il s'appelle Cheveux Rouges là? Ce Cheveux Rouges, j'ai oublié son nom. Oh merde. Comment il s'appelle? J'ai complètement oublié. C'est bête parce que bon, je l'aime bien en plus ce perso. Crozo? Welf Crozo? Ça doit être ça. C'est peut-être Welf Crozo, mais j'ai un doute. Ça y est. Je crois que c'est Welf Crozo. Ah bah elle est réveillée, voilà. C'est une histoire longue que je ne te dirai pas maintenant. Bon, on a fini Belle épisode 6. Mais je crois qu'on a un blabla. Ouais, histoire 6.5. Bon, vous savez quoi, on va faire ça. On va faire l'histoire et puis on va s'arrêter là. あの、ヘファイストさ。正真正銘のね。知ってたよ。君がヘファイストスの店の窓にいつも顔を貼り付けて、君の欲しがっていたものとは違うかもしれないけど。僕、見ているだけは嫌だったんだ。養われるだけじゃ助けられてばっかりじゃ。これくらいのおせっかいはさせてくれよ。誰よりも何よりも
D'accord, bon. Voilà. Ah, du coup, on a fini la 6, la partie 6. Prochain épisode 7, personne faible. Personne faible, ah oui, oui. Ce sera avec la petite. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour, l'épisode 13 de Danmachi. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 7, personne faible.